À la mi-journée, il y a déjà foule devant le spectacle du dragon à six têtes, sorte de mise en bouche pour la découverte d'un univers intérieur oscillant entre poésie, science et technique. Un cocktail qui fonctionne puisque la Maison de la Magie table cette année sur une fréquentation record, au-delà des 100 000 visiteurs. Un objectif à portée de billetterie après les excellents résultats enregistrés pendant les vacances de la Toussaint. C'est l'une des périodes les plus chargées de l'année. On a à la fois la concordance de tous les habitants de la région, qui reviennent aussi parfois plusieurs fois dans la semaine, et puis de nombreux touristes. Alors cette année particulièrement des touristes qui viennent de loin, hein, des quatre coins de la France. Donc on est ravis. Oui ! Vous êtes prêts pour ce moment magique ? Bien évidemment, la réussite du lieu tient à la qualité de ses représentations quotidiennes. L'artiste en scène est l'un des entraîneurs de l'équipe de France de magie. Il fait partie des plus fervents supporters de cette maison, unique en Europe, dédiée au père spirituel des magiciens, le célèbre blésois Jean-Eugène Robert Houdin. C'est le père de la magie moderne, parce qu'il a transmis de génération en génération des techniques, tout un monde imaginaire et artistique qui est toujours d'actualité. Et même les plus grands magiciens américains font référence et appellent aux inventions de Jean-Eugène Robert Houdin. Encore une fois, la magie a opéré et dehors, les prochains visiteurs sont déjà captivés. Pour son 20e anniversaire, la Maison de la Magie peut voir l'avenir avec gourmandise.